Bonsoir. Dans 2 jours va s'ouvrir le procès de Paul Touvier. Et l'actualité va nous restituer cette période des années noires. Alors pour mieux comprendre l'enjeu de ce procès, cette émission est consacrée à la milice. Paul Touvier était chef régional de la milice à Lyon. Et ce soir, avec Jean-Pierre Azéma, professeur d'histoire à Sciences Politiques, qui est un grand spécialiste et sans doute l'un des meilleurs de la période de l'occupation, nous allons donc retracer l'histoire de la milice, expliquer comment la milice a conquis l'État vichysois et comment on en est arrivé en 1944 à l'État milicien, tout de suite plongé dans les années noires. Bonsoir, les bras tendus, le salut tyrien, l'uniforme noir, la milice est synonyme dans les années d'occupation de terreur et d'horreur, mais peut-être pour commencer, faut-il rappeler en 3 mots, qu'est-ce que c'était la milice ? La milice, son vrai nom, c'est la milice française. C'est donc la milice de l'État français, créée par l'État français, donc l'État vichysois, le 30 janvier 1943. C'est donc une milice, un mouvement politique, une milice mise en réserve par l'État français, qui s'était donné au départ une double mission, d'abord animer la vie politique de l'État français, et d'autre part concourir au maintien de l'ordre. Et pour ce, elle va être progressivement armée. Bon, on va suivre tout au long de cette émission l'histoire de cette milice, son évolution, mais d'abord, aujourd'hui, quand un historien veut travailler sur l'histoire de la milice, quelles sources il a, sur quelles archives il peut travailler ? Eh bien, il dispose de sources fiables. Il dispose des dossiers d'instruction très bien faits de procès, en particulier du procès de Joseph Darnan, dont s'est largement inspiré un livre déjà ancien, L'histoire de la milice, par Jacques Perrier de Bayac, publié donc chez Fayard en 1969. Il dispose également de dossiers d'instruction relativement bien faits de cours de justice, lorsque les miliciens ont été jugés donc à la libération. Il dispose encore d'une très vaste enquête de gendarmerie du printemps 1945, en gros ce qui s'est passé dans la France profonde dans l'été 1944. Il dispose encore d'enquêtes départementales faites par un certain nombre d'historiens de l'Institut d'Histoire du temps présent. Bref, en tant qu'historiens, nous nous estimons suffisamment armés pour parler et de la milice et des miliciens. Puisque vous êtes armé, on va maintenant plonger dans l'histoire de la milice. Retour à 1940, aux origines de la milice. Adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Au lendemain de la débâcle, le chef de l'État français se fixe comme premier objectif le redressement moral et intellectuel du pays. À défaut de parti unique, Pétain compte sur les anciens combattants pour servir d'encadrement. Ralliés au prestigieux vainqueur de Verdun, les poilus de 14-18 apparaissent en effet au nouveau régime comme d'excellents propagandistes de la Révolution nationale. Dès le 29 août 1940, Pétain crée la Légion des combattants. Ils seront bientôt des centaines de milliers à répondre « Maréchal, nous voilà ». À Montoire, en octobre 40, Pétain s'engage dans la politique de la collaboration avec l'occupant. La Légion des combattants devient un véritable mouvement de masse. Un journal est lancé, Le Légionnaire.
Une émission quotidienne à la radio dispense la bonne parole. Disciplinés, les troupes de la Légion communient lors de vastes rassemblements dans l'amour du chef. Les légionnaires prêtaient le serment désormais traditionnel avant de reculer en rang serré. 30 journées légionnaires, 30 journées françaises qui restera dans les annales de Toulouse comme le témoignage de son attachement à la Révolution nationale. À Paris, en zone occupée, les fascistes purs et durs, impatients d'en découdre, prônent la collaboration armée et créent la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, la LVF. Un grand meeting de lancement est organisé au Vélodrome d'Hiver, le 18 juillet 1941. Monsieur Delongue prend la parole. L'Europe est en marche ! La belle unanimité de façade masque les rivalités d'apprentis fureurs. La conférence ensemble jusqu'au bout et que la France sera sauvée ! L'Algorio. Si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue pour nous. Malgré les images de propagande, les volontaires pour le front de l'Est sont rares. Dans quelques jours, ces jeunes hommes seront aux côtés de ceux qui luttent là-bas afin de protéger l'Europe et la France du danger bolchevique. En zone sud, pour le premier anniversaire de la création de la Légion des combattants, Vichy organise un grand spectacle médiatique retransmis de ville en ville par la radio. Légionnaires et volontaires, je vous adresse donc ce nouvel appel. Réalisez autour de vous ce grand rassemblement des énergies françaises. Avec mon gouvernement et pour lui, travaillez au grand jour. Chacun de sa ville ou de son village s'unissait au serment prononcé par le chef et retransmis de Vichy par radio. Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille, au travail. Je m'engage Annecy à pratiquer l'amitié de l'entraide vis-à-vis de mes camarades des deux guerres. À rester fidèle à la mémoire de ceux Marseille. Qui sont tombés au champ d'honneur. Oui. J'accepte librement la discipline de la Légion pour tout ce qui me sera commandé en vue de cet idéal. Oui. Fête de la Légion, fête de l'unité française. En étendant le titre de la Légion, le maréchal a signifié son intention de s'appuyer sur les effectifs sans cesse plus nombreux de tous ceux qui veulent seconder son action. En confirmant leur adhésion à la politique du maréchal, les légionnaires ont signifié que le grand soldat incarnait à leurs yeux la France elle-même. Ces masses profondes sont désormais l'instrument grâce auquel triomphera une doctrine qui, selon le mot de M. Valentin, directeur général de la Légion, fait la synthèse des expériences modernes et des traditions du génie français, façonnées par des siècles d'humanisme chrétien. Les plus activistes des légionnaires estiment que ce rassemblement de pères de famille ne sera jamais un mouvement politique efficace. C'est alors que Joseph Darnand, le chef de la Légion des Alpes-Maritimes, crée le service d'ordre légionnaire, le SOL. Darnand veut regrouper les éléments les plus combatifs afin de former un groupement paramilitaire. Très anti-républicain, très anti-communiste, très antisémite, les militants du SOL se veulent une avant-garde de la Révolution nationale. Dans le cadre millénaire des arènes de Cimiez, 2000 membres du service d'ordre légionnaire réunis autour de François Valentin prononçaient, après avoir entendu les fortes paroles de Darnand, le serment qui le fera, selon la formule légionnaire, les chevaliers des temps modernes. Sorti du plus profond de son peuple, chair de sa chair, vous aurez l'honneur de servir chaque jour, obscurément, dans la tâche quotidienne du redressement français.
de servir dans les tâches dures mais glorieuses que l'avenir et le chef pourront vous réserver. De donner peut-être votre sang, votre vie, avec pour seule récompense la joie d'avoir servi. À genoux ! Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion, à consacrer mes forces à faire triompher la Révolution nationale et son idéal, suivant les ordres de mes chefs et la discipline librement acceptée du SOL. SOL, debout ! Au service de la France, au service du maréchal, une force nouvelle est prête aujourd'hui. Prête à lutter, prête à servir, prête à souffrir pour la Renaissance française. Le 8 novembre 1942, les Alliés tentent un débarquement en Afrique du Nord. C'est l'opération Torche. Pétain ordonne à l'armée d'Afrique de tirer. Elle n'empêchera pas les Américains de débarquer à Alger. Hitler, trois jours plus tard, donne l'ordre à ses troupes de franchir la ligne de démarcation. Il n'y a plus de zone prétendument libre. Il n'y a plus d'empire. L'armée d'armistice disparaît sans gloire. La fiction d'un État français s'envole. À Toulon, le 27 novembre, la flotte française se saborde. Ces événements précipitent les changements à Vichy. Le 19 décembre 1942, le Führer exige de Laval la création d'une force de police qui devra collaborer avec les Allemands au maintien de l'ordre en France. Où trouver les troupes, sinon parmi les légionnaires de Darnan? L'heure de la milice est venue. On voit sur ces images des foules assez considérables. Est-ce qu'il est finalement le seul recruté tant que ça? Quels étaient ses effectifs? Difficile à dire. Nous n'avons pas les chiffres exacts. On peut... Ils sont probablement entre 10 et 12 000 membres, plus ou moins actifs, disons. Surtout en zone sud. Oui, exclusivement en zone sud. Oui, on a oublié de préciser que les Allemands interdisaient pour le moment, donc, en zone nord, donc en zone occupée, interdisaient à la fois la Légion des combattants et, a fortiori, donc, le service d'ordre légionnaire. Il faut signaler qu'un certain Paul Touvier, qui est secrétaire du SOL, du service d'ordre légionnaire, en Savoie dès janvier 1942, je crois. Vous avez raison. Voilà. Et alors, le personnage évidemment qui émerge est central, c'est le personnage de Joseph Darnan, qui est un peu symbolique de ce recrutement du SOL à ce moment-là. Oui, on va en dire deux mots, mais auparavant, je voudrais dire aussi qu'il prête serment par rapport à un texte qui est très précis, qui s'appelle « Les 21 points du service d'ordre légionnaire » et qui deviendra pratiquement inchangé. Les 21 points de la milice. Et qui donne la coloration idéologique du... Et l'un de ces 21 points, c'est « Contre la lèpre juive, pour la pureté française ». Je reviens à votre question. Darnan. Donc, le patron, celui qui... Joe, Joseph. Celui qui a, dans le fond, l'idée de créer ce service d'ordre légionnaire, celui qui va devenir le secrétaire général de la milice, celui qui va devenir le secrétaire général au maintien de l'ordre, à ce moment-là, avec rang de ministre, à partir de 1944, Joseph Darnan, disons que... Ce n'est pas un fils d'archevêque, comme nous disons un peu dans notre jargon d'historien. Son origine est modeste, d'une famille modeste catholique. C'est un ancien combattant très valeureux, dissitation, réinsertion sociale plus ou moins bien faite, comme une partie de ses anciens combattants. C'est un héros de la guerre de 14-18. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, il devient ligueur. Alors, il fait sinon toutes les ligues, mais beaucoup. Action française. Camelot du Roi. Il sera un petit bout de temps au Parti populaire français, le PPF de Jacques Doriot. Et il sera aussi surtout un des maillons les plus efficaces dans le Sud-Est, puisqu'il s'était installé près de Nice pour la cagoule.
donc ce comité secret d'action révolutionnaire qui voulait, par un putsch, faire basculer ou renverser la République, donc 36-37. Dans une récente émission, c'est tout à fait vrai. Donc, et ben voilà, c'était un instrument. Il est fait prisonnier en 1940, après avoir animé un corps franc. Il s'évade très rapidement. Il devient pétainiste tout à fait convaincu. Il est donc dans la Légion des combattants. Il est ensuite pratiquement le membre fondateur avec un certain nombre de ses amis, donc du service d'ordre légionnaire, et il va devenir le patron de la milice. Et même le journal, je crois, du sol niçois, qu'il anime, s'appelle La Trique. Oui, voilà. Et alors, à l'automne 42, évidemment, le débarquement en Afrique du Nord, l'invasion de la zone sud, ça va changer la situation politique, et Laval, qui était opposé longtemps à cette idée, va être amené finalement à créer, à proprement parler, une force autonome, donc cette fameuse milice. Qu'est-ce qui pousse Laval à créer, au début 43, la milice ? Pour une double raison. La première, c'est qu'il est pressé par les uns et par les autres qui estiment que Laval est trop mou, en particulier dans la répression. Donc il veut montrer qu'il met en place... Qui trouve qu'il est trop mou ? Les collaborationnistes parisiens. Qu'est-ce que c'est, les collaborationnistes, les collaborationnistes parisiens. Ouais. Ce sont donc des militants, le plus souvent de l'extrême droite ou de l'ultra-droite, qui militent pour une collaboration militaire tous azimuts et qui sont... c'est eux qui ont créé, de fait, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, donc la LVF, en juillet 1941. Les représentants, c'est Doriot, c'est... C'est Doriot, Doriot, Déa, mais aussi toute une série de journalistes, par exemple ceux que l'on retrouve à Je suis partout, et puis toute une série de mouvements, les francistes, et un certain nombre de petits mouvements qui sont créés, qui vont se rallier à la fois à l'idée de la collaboration militaire pour mériter leur place dans l'Europe fasciste, devenue fascisée, l'Europe qu'ils pensaient fasciste plutôt qu'allemande. Donc voilà, ce milieu parisien, ce milieu collaborationniste. Et ils trouvent que ce milieu parisien, que Laval est un modéré. Oui, est un endormeur. Bon, ouais. en voilà donc une catégorie. L'autre, c'est un monsieur, c'est Adolf Hitler, qui trouve que les Français, ça ne va pas, la collaboration franco-allemande, et que la France n'est pas suffisamment fiable, que d'autre part, l'Afrique du Nord vient de basculer dans la dissidence. Bref, il demande à Laval de montrer qu'il est le véritable patron en France, au moins en zone sud. Alors ça, c'est les raisons internes. Et puis il y a une raison externe, là, que je viens de citer, c'est-à-dire, c'est la réussite de l'opération Torch, la réussite donc du débarquement donc anglo-saxon en Afrique du Nord. Et la conséquence, comme vous le savez, c'est que il n'y a plus d'armée d'armistice, il n'y a plus de flotte, il n'y a plus quasiment d'empire. Donc Vichy se sent un peu seul et un peu nu. Et c'est alors que Laval, qui se défiait d'Arnan, qui se défiait de son entourage, parce qu'il avait l'impression de ne pas suffisamment le maîtriser, saute le pas et décide effectivement de créer par une loi, en bonne et due forme, donc cette milice française, c'est la loi numéro 63 du 30 janvier 1943. L'heure de la milice a donc sonné. Tout à fait. Le président Laval a décidé que le service d'ordre légionnaire dépendrait dorénavant du gouvernement et serait transformé en milice française tout en restant sous les ordres de M. Joseph Darnan. Le 30 janvier 1943, la milice française est créée officiellement. Elle prend pour emblème le gamma, symbole de force et de renouveau. Les statuts publiés au journal officiel précisent ses missions. Soutenir l'État nouveau, concourir au maintien de l'ordre. 5 grandes directions s'organisent. Un service de la propagande est confié à Francis Boudelan. Un deuxième service chargé du renseignement revient à Joseph de Gand, un ancien de la cagoule. En mai paraît Combat, le journal de la milice. Aux côtés des signatures d'Henriot ou de chefs miliciens, on retrouve dans les pages culturelles celles de Colette, Paul Morand, Mac Orlan. À genoux! La nouvelle organisation, structurée militairement, est très hiérarchisée. Les recrues prêtent serment au cours de cérémonies solennelles. Je suis un révolutionnaire de la milice française, dont j'accepte librement la discipline. Miliciens, à vous! Thank you.
château de Saint-Martin-du-Riage, près de Grenoble, l'école des cadres de la milice se met en place. On y assure la formation politique des stagiaires et la formation militaire orientée vers les combats de guerre civile, souligne un document d'époque. Pour mener ces combats, Darnand crée en juin 1943 la Frangarde, composée d'hommes jeunes décidés à en découdre. Elle sera le fer de lance de la milice, le bras armé chargé des sales besognes. À l'été 1943, la milice piétine. Laval se méfie de Darnand et ne lui donne pas les armes qu'il réclame. Darnand doute au point qu'il songe à changer de camp. Il prend contact avec Londres, qui ne répondra pas. C'est à ce moment-là que les Allemands lui proposent la création d'une Waffen-SS française. Darnand décide alors de jouer la carte allemande jusqu'au bout. En août 1943, à l'ambassade d'Allemagne, il prête serment à Hitler. L'ancien combattant de 14-18, germanophobe et patriote, est devenu un ultra de la collaboration armée. Il va entraîner avec lui la milice française. Dès le mois d'octobre, des cadres de la milice, dont Francis Boudelan, s'engagent également dans les Waffen-SS. Peu après, les Allemands livrent des mitraillettes pour armer la Frangarde. Darnand lui-même, dans combat, lance un appel pour l'enrôlement des miliciens dans la Waffen-SS. En cette année 43, la résistance se développe et s'attaque de plus en plus à la milice. En novembre, Jacquemin, le chef départemental de Haute-Savoie et un autre milicien sont abattus. Désormais, la milice organise la répression par ses propres moyens, sans en référer aux autorités. Ainsi, le 2 décembre 43, l'assassinat de Maurice Sarrault est monté par des miliciens qui veulent empêcher un rapprochement entre certains milieux vichysois et d'anciens parlementaires radicaux à la recherche d'une hypothétique troisième voie entre résistance et collaboration. À la fin de 43, la pression allemande sur Vichy s'accentue encore. Hitler exige l'entrée au gouvernement de personnalités sûres, comme Darnand. Pétain bougonne et rend les armes. Le vainqueur de Verdun s'avoue le vassal d'Hitler. Le 19 décembre, tous les ultras de la collaboration vichysoise et parisienne se retrouvent ensemble d'accord sur l'essentiel, la guerre totale aux côtés de l'Allemagne. Il n'est pas possible d'être hésitant entre les deux. Ou la France sera exsangue sans libération, ou elle sera libérée des tueurs moscovites. Succède à la tribune Joseph Darnand. Toute la France, des troupes qui sont prêtes à se battre, nous préférons, quant à nous, mourir que de subir le triomphe d'Israël. Joseph Darnand, le chef de la milice, émerge comme l'homme de la situation, l'homme des Allemands. Alors, Jean-Pierre Azéma, cette milice qui se crée donc en janvier 1943, comment ça marche? Est-ce que le recrutement répond aux attentes des initiateurs? Il n'y aura jamais plus de 30 000 miliciens et Darnand attendait mieux et plus. Il faut bien voir que la milice comprend à la fois ce qu'on appelle donc des sédentaires, qui sont des militants, qui viennent à la fois de l'extrême droite et aussi d'un certain nombre de notables traditionnalistes, des vichysois un petit peu purs et durs. Voilà une catégorie. Et puis, très progressivement, Darnand a voulu que la milice fût armée. C'est la création de la Frangarde. De la Frangarde, qui est à ce moment-là une milice de gens beaucoup plus jeunes, qui est une milice encasernée et qu'on va utiliser donc dans les opérations, notamment contre les maquis et contre les résistants. On recrute à ce moment alors souvent des gens, enfin des gens. On recrute donc beaucoup moins des militants qu'un certain nombre d'ouvriers agricoles. C'est un recrutement beaucoup plus populaire. On a pu parler d'un fascisme plébéien. Et s'ils viennent à la milice, c'est tout simplement parce qu'ils y gagnent de l'argent. Ils ont aussi donc un équipement. Ils évitent le STO. Donc voilà, vous avez une branche politique,
qui est contrôlé par les vieux de la vieille, si j'ose dire, hein, qui sort. Le noyau dur. Voilà, le noyau dur. Et puis, vous avez une frangarde beaucoup plus jeune, mais qui est commandée aussi par des gens qui, politiquement, sont sûrs. Alors, à l'intérieur de cela, vous avez un certain nombre de bureaux, quatre bureaux, oui, quatre services, comme ils disent. Oui. Voilà. Il y a ce fameux deuxième service-là, à quoi il sert? Exactement, on a vu là qu'il a été créé, mais s'il fait, du renseignement, ça signifie quoi, faire du renseignement dans la milice en 43? Les fameux, parce que les miliciens l'ont beaucoup développé. Alors, il a une triple fonction. La première, c'est d'abord de surveiller celles et ceux qui entrent dans la milice, parce qu'il y a aussi des miliciennes. Sélection. La sélection, voilà. Bon. Seconde tâche, non moins importante, obtenir des renseignements sur l'extérieur, et en particulier sur les ennemis, sur l'anti-France. Et le fichage. Le fichage, de manière systématique. Et puis, troisième point... Et les dénonciations, j'imagine. En récupérant notamment des dénonciations. Et puis, troisième point, préparer très concrètement le terrain pour l'action, c'est-à-dire donc les actions menées notamment contre les résistants ou contre les juifs. Alors, le chef de ce deuxième service est Degand, qui est un ancien de la cagoule, mais il faut noter et souligner qu'en Savoie, le chef de deuxième service, c'est Paul Touvier, dès l'année 1943, avril 1943. Tout à fait. Bon. Et il va devenir le patron ensuite de l'ensemble de la région autour de Lyon. Bon, alors il y a une chose maintenant qu'il faut expliquer bien, parce que c'est difficile à comprendre, c'est l'évolution de cette milice française vers la collaboration absolue armée avec les Allemands. Et notamment, c'est l'évolution de Joseph Darnand, donc cet ancien combattant de 14-18, germanophobe, et qui va s'engager dans la SS, qui a une évolution totalement surprenante. Deux raisons qui jouent. La première est l'anti-bolchevisme, assez fondamental, à partir de juin 1941. Et à cet anti-bolchevisme se joint donc de vieux règlements de compte contre ce qu'ils appelaient la démocratie, donc contre les démocraties libérales. Ce qui fait qu'après avoir hésité, c'est tout à fait vrai, Darnand et ses très proches vont prêter serment à partir de l'été 1943 au Führer et vont devenir donc des Waffen-SS. Et je voudrais citer très brièvement un texte, Francis Boudelan, qui est le second Darnand au début 1944, fait cette précision très claire dans le Petit Parisien du 27 janvier. Il y a une distinction à faire. En tant que militaire, nous faisons effectivement le serment au Führer, mais Joseph Darnand a fait en outre son serment politique au chef de l'État. Il ne faillira pas plus à celui-ci qu'à celui-là. Les deux sont sacrés. Donc, les chefs de la milice sont pris alors tout à fait dans un engrenage et se trouvent de fait, même s'ils appartiennent à l'ultra-droite vichysoise, extrêmement près des thèses des collaborationnistes. Donc il y a à ce moment-là une sorte de fusion entre les thèses collaborationnistes et la droite extrême. Et finalement, c'est ça qui va prendre le pouvoir à Vichy avec l'entrée au gouvernement des miliciens. Oui, et à ce moment-là, on pourra parler d'État milicien. D'abord, vivre. D'abord, maintenir l'ordre. Ici, Londres. Milice et complice des polices de Vichy. Le 30 décembre 1943, la radio annonce la nomination de Joseph Darnand comme secrétaire général au maintien de l'ordre. Il a maintenant autorité sur l'ensemble des forces de police. Philippe Henriot est nommé au secrétariat d'État à la propagande et à l'information. Je me veux l'incarnation de la patrie blessée. Deux miliciens occupent désormais des postes clés dans l'appareil d'État. Henriot, qui parle deux fois par jour à la radio, peut, dans ses activités de porte-parole officielle de l'État français, faire passer le message milicien. Il tente, non sans efficacité, de répondre point par point aux arguments de la BBC. De son vivant, ça n'a pas d'importance pour un homme d'État, pourvu qu'il ait mérité la reconnaissance de l'histoire. Philippe Henriot est allemand. Philippe Henriot. Philippe Henriot. Vous n'alliez pour vous défendre, mes compatriotes français, au lendemain d'une défaite dans laquelle tout le monde avait perdu la tête. Que vos professeurs de patriotisme d'aujourd'hui abritaient derrière les micros de Londres ou d'Alger, je voudrais bien savoir où vous en seriez.
On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes, nous qui acceptons le fait de la défaite, qui en avons le cœur aussi meurtri et aussi déchiré que vous, mais qui entendons partir de là courageusement pour faire les efforts nécessaires et remonter avec des méthodes françaises, sous des chefs français, pour assurer un relèvement français. Et c'est vous qui nous dites que nous ne sommes pas des patriotes, vous qui avez tellement perdu la foi dans votre patrie, que vous ne comptez plus que sur l'étranger pour lui rapporter ce qu'elle a perdu. Dès son entrée en fonction, Darnand cherche à placer ses hommes dans les rouages de l'État. Il épure l'administration et se livre à une véritable colonisation de l'appareil administratif, judiciaire et policier. Noyauté par les hommes en noir, un état milicien se met en place. Les cadres de la police, l'administration pénitentiaire et les cours martiales passent sous l'autorité de Darnand. Fin janvier 1944, les Allemands autorisent l'activité de la milice en zone nord. Les troupes de Darnand peuvent parader sur les Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe a vu défiler des troupes plus glorieuses. Jean-Pierre Azéma, quand la milice s'installe au pouvoir à Vichy en janvier 1944, sous la pression des Allemands, qu'est-ce qui reste comme pouvoir à Pétain et qu'il s'incline ? Sa latitude d'action est diminuée, c'est tout à fait vrai. Il demeure quand même le chef de l'État français, il ne faut pas l'oublier. Sa latitude d'action est diminuée parce qu'il a essayé, à l'automne 1943, de prendre un peu le large, de prendre un peu ses distances vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Et il s'est fait taper sur les doigts. Il le fait un petit peu comme sont parvenus à le faire, dans une large mesure, les Italiens, dans l'automne 1943. Et les Allemands, tout à fait échaudés par ce qui s'est passé en Italie, donc, on dit à ce moment-là, il n'en est pas question. Et donc, Philippe Pétain a dû accepter que le nouveau secrétaire général au maintien de l'ordre s'appelle, effectivement, Joseph Darnand, qui, du même coup, possède une double casquette. Ou un double casque, oui. Voilà. Il est à la fois, toujours de fait, le patron de la milice, et d'autre part, il a, en tant que secrétaire général au maintien de l'ordre, des pouvoirs accrus, et on peut et on doit le considérer comme un ministre de l'État français du gouvernement de Vichy. Bon, alors, la milice investit l'État. Est-ce que c'est juste de parler d'État milicien ? C'est le titre qu'on a donné à cette émission. Est-ce qu'il y a vraiment un État milicien en 1944 à Vichy ? Dans une large mesure, pas totalement, c'est vrai. Mais je dirais qu'on peut parler d'un État milicien parce que Vichy a toujours été un régime autoritaire et la milice, Darnand, les miliciens vont contrôler trois secteurs fondamentaux d'un régime autoritaire. D'abord, la police. À partir du 10 janvier 1944, Darnand devient le patron de toutes les polices françaises. Tout le maintien de l'ordre est sous sa responsabilité. Sous sa responsabilité. En zone nord comme en zone sud, puisque la milice a l'autorisation, va avoir l'autorisation de surcroît de se développer en zone nord. Le premier point. Le deuxième point, la milice a aussi la responsabilité, à travers un monsieur qui s'appelle Philippe Henriot, de la propagande. Mais on l'a vu tout à l'heure, donc voilà. L'efficacité redoutable des discours d'Henriot. Voilà. Et il est un milicien il est passé à la milice, il est sur des positions collaborationnistes, parce que depuis 1941, donc, l'URSS a été envahie par le Reich, donc par le combat anti-bolchevique. Donc, et il parle quand même deux fois par jour. Donc, c'est un deuxième secteur. Troisième secteur, la milice contrôle la plupart des grandes centrales pénitentiaires et contrôle les grandes directions donc, pénitentiaires. C'est-à-dire qu'ils vont contrôler donc à la fois la police, les médias, et d'autre part, donc, une bonne partie de la justice, d'autant plus que des cours martiales qui vont maintenant se tenir, notamment contre les résistants, la plupart des juges de ces cours martiales sont de fait des miliciens. Et on voit un peu partout, dans l'administration française, des miliciens qui sont nommés comme intendant de police, intendant du maintien de l'ordre, il y aura des préfets miliciens. Bref, si... L'État français n'est pas totalement phagocyté. L'État milicien est bien une réalité. Bon. Et est-ce que le recrutement à la base de la milice en 1944 change ? Il change partiellement parce qu'une partie de ce que j'ai appelé tout à l'heure les notables traditionnalistes ont quitté la milice. Lorsqu'ils ont appris que Joseph Darnand et ses amis ont prêté serment au Führer. Alors, phénomène un petit peu de compensation. En revanche, les nouvelles recrues sont beaucoup plus de type, comme je disais, dans la frangarde, de type plutôt fascisme plébéien. On va donc chercher des gens beaucoup plus jeunes, beaucoup moins politisés également,
mais qui seront alors le fer de lance armé contre la résistance. Alors justement, on va voir maintenant dans le sujet qui suit la milice dans les combats contre la résistance et contre les maquis. Au début de 1944, se confondant avec l'État qu'elle a investi, la milice fait régner un climat de terreur en toute impunité. Couverts par leur chef, les miliciens contrôlent, surveillent, quadrillent, traquent, assassinent, exécutent. Le 10 janvier 1944, le président de la Ligue des droits de l'homme, Victor Bache, 80 ans, et sa femme sont assassinés à Lyon, exécutés de la main même du chef régional de la milice, Joseph Lécussant. En Haute-Savoie, d'importants maquis se forment. Les résistants rendent coup pour coup aux exactions des forces de l'ordre. Sur ce document rare, un jeune maquisard indique l'emplacement où 10 miliciens exécutés ont été enterrés. À chaque enterrement de miliciens, Darnand est présent, comme ici, à Vichy. Ces images exceptionnelles tournées par Raymond Périlla, un résistant de l'armée secrète, montrent un parachutage sur le plateau des Glières, où se sont regroupés, au début de 1944, les principaux maquis de Haute-Savoie. Les résistants veulent créer un abcès de fixation, situation intolérable pour Vichy. Le 13 février, le plateau est bouclé par un millier de miliciens venus de toute la France et par autant de gendarmes. Les forces de Vichy sont tenues en échec par les 450 maquisards. Les Allemands arrivent en renfort. Ils bombardent le plateau et donnent l'assaut. Les maquisards se replient et se dispersent. Les miliciens, incapables de l'emporter sur le terrain, se surpassent dans le ratissage et l'interrogatoire des prisonniers. Les francs-gardes qui ont participé au nettoyage du plateau des Glières arrivent à Vichy où ils sont salués par leur chef, M. Goudelan. Mais hélas, plusieurs de leurs camarades ne sont plus. Des soldats de l'ordre ont donné leur vie pour défendre le pays contre le crime et le banditisme. Après le débarquement de Normandie, la milice prend part activement au combat contre le maquis. Le 7 juin, Darnand mobilise ses hommes par un appel radiodiffusé. Les ordres sont clairs. Considérez comme des ennemis de la France les francs-tireurs et partisans,
les membres de la prétendue armée secrète. Attaquez-vous aux saboteurs, traquez les traîtres, faites leur face comme dans le Limousin. Dans les Alpes, en Bretagne ou dans le Limousin, la Frangarde se montre particulièrement implacable envers les résistants. Les miliciens mènent la guerre civile aux côtés de l'occupant. Les exactions commises par les hommes de Darnan au printemps et à l'été 44 sont épouvantables. Ils pillent, violent, assassinent. Jean Zay et Georges Mandel figurent parmi leurs victimes. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands nous tuent. Il est mort sans surprise. Le 28 juin 1944, la résistance exécute Philippe Henriot, le porte-voix de l'État milicien. Lors de ses obsèques nationales, les officiels allemands sont aux côtés de Laval, tout à sa bolle. Jean-Pierre Azéma, finalement, en 1944, la milice est à la fois auxiliaire des Allemands et instrument de la guerre civile franco-française. Ça répond à ces deux logiques. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Il y a une double logique. Il y a une logique donc franco-française, des guerres civiles, et il y a une logique franco-allemande. Logique franco-française, aucun historien ne dira que le Vichy de 1944 était forcément inscrit dans le Vichy de 1940. Mais les historiens ajouteront immédiatement qu'il n'y a rien là d'incohérent dans cette trajectoire, et qu'il y a une certaine logique, la montée en puissance d'une ultra-droite vichysoise qui existait depuis l'été 1944. Parce que, aussi, Vichy a pratiqué dès l'été 40 l'exclusion, la répression. Parce que, également, Vichy est un régime obsédé par l'ordre. Et ce qui vous explique que Philippe Pétain, encore le 5 juin 1944, va donner quitus à sa milice. Je le cite, « Je suis heureux de savoir que grâce à la milice, j'ai des troupes fidèles un peu partout en France. » Encore une fois, c'est dit le 5 juin. La veille du débarquement. La veille du débarquement. Mais bon. Est-ce que ces troupes sont fidèles, sont efficaces dans leur combat contre les maquis, contre la résistance? Oui. Alors là, on arrive dans l'autre logique, c'est la logique franco-allemande. C'est-à-dire qu'il y a un glissement progressif, alors, dans les rapports franco-allemands, et que ceux qui contrôlent, de fait, le pouvoir sont ceux qui, maintenant, militent ouvertement, donc, pour une France intégrée, ou d'une manière ou d'une autre, donc, à l'Europe fasciste. Alors, on peut en donner de multiples exemples. Il faut savoir, par exemple, que le délégué de la milice en zone nord, qui est l'un des proches de Darnan, rencontre le chef des SS en France, qui s'appelle Auberg, une fois par semaine. Il prend ses ordres. Oui, dans une très large mesure. De autre illustration, les miliciens vont devenir des rabatteurs pour les forces allemandes. C'est flagrant. Lorsque l'opération est montée contre le maquis d'Aiguillères, donc entre février et mars 1944. Et on vient de le voir. Oui. Voilà. C'est les miliciens et les GMR qui bouclent, c'est les Allemands qui attaquent, c'est aussi les miliciens qui ensuite prennent dans la nasse les résistants qui ont pu échapper, c'est aussi à ce moment-là les miliciens qui interrogent et de quelle manière. C'est aussi les miliciens qui vont être utilisés à partir du 8 juin 1944, lorsque Darnan va l'immobiliser, et que l'Affrangarde, avec un certain nombre de chefs, comme on les appelait, miliciens, vont mettre, on peut le dire, à feu et à sang, une partie de la France. En dans Bretagne. Région, oui. Dans Bretagne, ça sera épouvantable. Dans le Limousin. Également, par exemple, à Saint-Amand-Montrond, où ils participeront à l'extermination, à l'extermination volontaire donc de juifs de cette petite cité. Est-ce qu'on sait comment l'opinion, les Français à l'époque voyaient la milice? Oui, on le sait. On le sait par les rapports des préfets, parce que les rapports des préfets n'étaient pas favorables aux miliciens, parce que la milice allait un petit peu sur leur brisée. Mais on le sait également par la synthèse du contrôle postal,
où il est évident que la milice est presque unanimement détestée en France. Et Darnand le sait, il le dit d'ailleurs, c'est une toute petite minorité qui sauvera des Français avachis, etc., etc. La milice était détestée pour au moins deux raisons. Un, parce qu'ils étaient devenus ouvertement les auxiliaires de l'occupant, je l'ai dit, et puis également parce que dans cette guerre franco-française, c'était des tortionnaires. Ils ont torturé près de Vichy, dans un château à quelques kilomètres de Vichy, château des Brosses. Ils ont torturé à la caserne Lauve, à Montpellier. Ils ont torturé à Lyon. Ils ont torturé partout. Donc cette réputation à la fois d'être des traîtres, comme auxiliaires de l'occupant, y compris après le débarquement, et de tortionnaires de Français, va leur coûter très très cher. Nous avons perdu 600 des nôtres. Nous comptons plus de 1200 blessés, près de 800 disparus. Et comme vous, mes camarades, je ne regrette rien. Je garde ma foi entière en notre destin, qui est celui de notre patrie. Je suis à votre tête, et je serai désormais près de vous, parmi vous, pour cette dernière lutte qui, j'en suis sûr, nous conduira à la victoire. Qu'est-ce qui se passe justement à la libération? Quel est le destin de ces miliciens? Des miliciens, en principe, pris les armes à la main, étaient fusillés. Je dis bien pris les armes à la main. Donc, on peut chiffrer le nombre de miliciens qui ont été exécutés ou abattus dans les combats, enfin, ou juste après les combats de la libération? Peut-être 1500 à 2000, peut-être. Il y a ceux qui arrivent à fuir, oui. Comme Touvier, dont on parle ces jours-ci. Oui, et lui fuit en France. Oui. D'autres fuient en Allemagne. Et alors, ça, c'est le troisième lot, c'est ceux qui fuient en Allemagne, oui. Donc vont devenir là des... Oui, ils vont devenir des sortes de mercenaires, parce que les Allemands vont les rouler, dans le fond, Darnand lui-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur laisser le choix, où ils vont travailler en usine, où les femmes et les enfants seront dans des camps, dans des conditions qui ne sont pas très agréables, et les autres n'auront pas le choix, ils devront s'engager dans la division Charlemagne, qui se fera étrier, donc, en Posnanie, donc, par les forces soviétiques. Les principaux chefs s'échapperont pour partie d'entre eux, notamment en Italie. Ils seront pris et à ce moment-là, ils seront jugés. Leur chef, donc Darnand, passera devant une haute cour de justice puisqu'il était secrétaire général au maintien de l'ordre. Son procès, de manière tout à fait significative, durera moins d'un jour. Donc, et il sera immédiatement exécuté en octobre 1945. Comment expliquez-vous qu'un demi-siècle après, finalement, on le voit avec tout ce qu'on vient de dire, mais la milice, ça reste synonyme finalement d'horreur, c'est une espèce d'enfer, de trou noir, et dont on parle encore comme avec répulsion. Il n'y a pas de révisionnisme sur la milice. Non, il n'y a pas de véritable historien révisionniste sur la milice, j'entends par là, qui essaye de montrer que, dans le fond, la milice répondait à des objectifs plus compliqués. Je voudrais terminer, si vous voulez, pour expliquer cela, simplement sur une citation. Cette citation, c'est un télégramme qu'envoie donc le second de Darnand, Knipping, à Francis Boudelan, qui était le responsable de la milice à Vichy, en juillet 1944, après que les miliciens ont assassiné Georges Mandel avec la complicité des Allemands. Et voilà comment ça se termine. « Mon opinion est que tout en étant loyaux au gouvernement, il faut que nous représentions l'élément révolutionnaire qui le pousse à faire ce qu'il ne fait pas par tempérament et qui depuis 3 ans nous a conduits dans la passe où nous nous trouvons. Stop. Ne pas agir dans l'affaire d'hier, donc l'exécution de Georges Mandel, l'ex-ministre de l'Intérieur, donc, et qui est donc exécuté à la fois comme belliciste et comme juif, ne pas agir dans l'affaire d'hier aurait eu pour conséquence de nous faire perdre entièrement la confiance des SS. » C'est ainsi que se termine ce télégramme. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter, tout est dit, et qu'on comprend que c'est vraiment un des moments les plus noirs de cette histoire noire des années sombres. Alors pour terminer cette émission, il y a très peu de livres, il faut le dire. Il y a celui-là dont vous avez parlé tout à l'heure, l'histoire de la milice d'El Péri de Bayac, qui date de 69. Beaucoup de choses dedans, oui. Et qui est très riche et qui, je crois, malheureusement, est épuisé, très difficile à trouver. Tout à fait.
pour être dans l'actualité de ces jours-ci, deux livres. Un certain monsieur Paul, l'affaire Touvier de Laurent Grelzhammer et Daniel Schneiderman, qui raconte l'histoire de Touvier, qui est paru chez Fayard, qui reparaît ces jours-ci dans une nouvelle édition. Et puis le rapport Paul Touvier et l'Église, la commission des historiens à laquelle vous avez participé sous la responsabilité de René Raymond, paru également chez Fayard. Voilà, cette émission est terminée et la semaine prochaine,